Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première box planner. Et vous n'imaginez pas à quel point je suis super heureuse de la découvrir avec vous. J'ai juste ouvert ici pour pouvoir ouvrir facilement en vidéo. Mais j'ai pas du tout vu l'intérieur et j'ai trop hâte. Il s'agit de la petite box spécial planner, une box française par fois. Parce que les box planner, il y en a beaucoup aux États-Unis, etc. Mais ça coûte vraiment très cher de les faire envoyer chez nous, ça coûte une quarantaine d'euros. Là, il s'agit de la Shiny Planner Box. Alors, il y a un petit autocollant là, j'essaie de vous le montrer. Vous voyez là, hop, il y a un petit autocollant, la Shiny Planner Box, Sparkle Everyday. Donc j'ai hâte de découvrir avec vous tout ça. Donc on va vraiment découvrir en direct. C'est une box mensuelle du coup que vous pouvez découvrir sur le site shinyboutique.fr. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos ainsi que les réseaux sociaux de Sabrina, puisque c'est Sabrina qui envoie toutes ces boxes, etc. Et vraiment sur Instagram, il est trop beau. Elle vous donne des petits indices d'ailleurs avec les thèmes des box. J'avoue que là j'ai pas trop regardé parce que je voulais une surprise et je voulais vraiment découvrir avec vous en direct, mais elle met de magnifiques photos sur ses réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à la découvrir. Et souvent ces box, elles sont vraiment très jolies avec des petits stickers et des petits détails. Vous avez ce qu'il faut pour faire du planner, de la décoration de bureau, même du scrap si vous avez envie, ou pour votre papeterie personnelle, avoir des jolies choses. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc voici déjà sa petite feuille avec toutes les informations sur son site. Et je pense qu'elle aussi, c'est une planner addict. Donc, ses coordonnées, sa petite carte, la Sparkle Everyday. C'est super mignon. Donc, c'est Sabrina qui m'a envoyé généreusement cette box pour que je puisse la découvrir, vu que maintenant, je suis à fond. Vous avez remarqué dans les planners et Happy Planner. Et du coup, ben voilà, elle m'a mis un petit mot personnalisé. Je ne sais pas si elle fait ça pour tout le monde, même quand on commande. Mais je vous avoue que cette box, elle me faisait vraiment envie depuis très longtemps. J'avais remarqué déjà depuis quelques temps et j'avais pas encore osé passer le cap de la commander. Elle coûte une trentaine d'euros, comme je vous ai dit, sur le site, vous la trouvez au début du mois. En revanche, c'est un nombre limité, c'est pas un abonnement tous les mois, c'est à vous de la commander chaque mois. Et c'est un nombre limité, donc on peut pas, tout le monde ne peut pas l'avoir, donc faut quand même zioter ses réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est ces petits stickers, ces derniers petits stickers qui sont trop mignons. Ah oui, en mode maman qui doit nettoyer partout. En mode les tâches ménagères de poubelle, ça c'est pas bête ça. Et préparer le dîner et des rendez-vous avec le docteur. Mais c'est super sympa d'ailleurs ça pour mes loulous, ça va être parfait pour le planning maman un petit peu. Et alors elle me met un petit mot doux. Coucou, voici le Shiny Planner Box du mois de juillet ainsi que des stickers de ma boutique Etsy. J'espère que ça te plaira. Hâte de voir une vidéo ou un article de ta part. À très bientôt. Hashtag Shiny Planner Box et Shiny Planner Girl. Merci encore Sabrina. Alors du coup ça doit être sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai aussi les liens de la boutique en barre d'infos. C'est super sympa un petit format comme ça. C'est super cool. Donc la Shiny Planner Box. Voici la carte un petit peu du planeur, enfin de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc je vais pousser ça et on va l'ouvrir ensemble. Oh là là, il y a l'air d'avoir pas mal de choses hein. Voilà, il y a tout le planning en fait avec tout ce qu'on y trouve, il y a des stylos etc. Oh là là, je sens qu'il y avait des choses que je ne vais pas du tout avoir dans ma collection. Alors j'aime bien les choses girly, mais je sais qu'il y a aussi des choses un petit peu différentes. Et là je crois que c'est un peu sur le thème léopard etc. Donc je vous montre ça. Déjà, c'est sympa ça de découvrir en fait des petits autocollants comme ça que vous mettez dans votre planeur pour mettre bah, après des feuilles, etc., des stickers ou autre. C'est sympa, je savais pas du tout que ça existait comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait vous avez des sortes de petites poches comme ça pour ces autocollants et vous les mettez où vous voulez dans votre planeur ou autre. Ça, effectivement, alors j'ai oublié de vous dire, mais elle fait des, pour remplir cette box, elle fait des partenariats avec des petites créatrices françaises. Et du coup, il y a aussi des produits qui viennent de Chine. Hein. Je suppose que, par exemple, ce genre de stylo trop mignon, que moi je n'ai pas commandé, vous le trouvez sur des sites asiatiques. Mais là, la Katiusia, j'ai envie de le prononcer bien, Katiusia, c'est pompons et compagnie. Et donc, c'est une créatrice de tout ce qui est un peu bijoux de planeur, pompons, etc. Je vous invite à aller la découvrir aussi. C'est Léna, elle est super sympa d'ailleurs. Elle m'a pas mal parlé sur les réseaux sociaux. Et voilà, il est super beau ce petit paperclip avec un petit nœud comme ça. Il est trop joli.
Ensuite, on découvre une petite planche de... Je ne sais pas comment ça s'appelle déjà. De... Une petite planche de... Mince, j'ai oublié le nom. De pochoir. Avec des mots en anglais, des flèches et tout. Ça, c'est super cool. Et d'ailleurs, pour celles qui ont des bullet journal, ça peut être super sympa pour faire des jolies flèches, écrire des petits mots et tout. Donc ça, c'est top aussi. Ensuite, on découvre un petit bijou de planeur. On va l'ouvrir. Vous savez que les planeurs, maintenant, vous pouvez mettre des petits bijoux pour les décorer. Et là, c'est sur le thème un petit peu... Alors, vous pouvez agrandir la chaîne. C'est sympa. Et voilà, c'est un petit nœud comme ça en léopard. C'est super joli. C'est très mignon. Alors, je suis pas extrêmement fan du léopard, etc. Mais je me dis que pour une petite déco mensuelle, ça peut être super sympa dans mon planeur ou mon habit planeur. Ça peut être très, très, très sympa. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, le stylo. Alors, ça, j'avais repéré dans plein de vidéos, mais j'avais pas commandé et j'avais pas craqué. Mais il est trop, trop joli, un peu violet comme ça. Violet bleu, il est trop beau. Donc, ça, c'est top. Ensuite, on a un washi tape en léopard. Donc, du coup, ça va bien dans le thème hein, du mois. Et je sais qu'elle fait des thèmes aussi un peu plus girly, rose et tout ça. Et je pense que je commanderai la prochaine fois une autre box. Mais voilà, c'est très sympa parce que c'est un thème quand même qui reste. Enfin, c'est une box qui reste dans son thème, donc c'est plutôt parfait. Et ensuite, on a des petites poches comme ça. Des petits sacs très jolis. Trop, trop mignon. Ah, les stickers. Oh là 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 là. Leopard Girl. Oh là là, ils sont trop mignons. Ça, je trouve ça trop bien. Ça, j'en avais pas du tout dans ma collection pour mon planner et mon happy planner pour pouvoir mettre des choses à faire, etc. Je trouve ça trop, trop bien. Même ça, c'est super. Oh là 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 là, à faire, à acheter et tout. Oh non, mais c'est trop bien. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je veux dire, pour le planner, c'est parfait. J'ai pas du tout ça, en plus, dans tous mes stickers de planner. Vous avez vu mes vidéos Plan With Me, j'ai pas du tout ce genre de choses-là. Donc ça va être super cool. Donc c'était le mois de juillet, c'est pour ça qu'il y a écrit juillet, mais c'est pas grave, ça servira quand même. Et des petites choses comme ça. Je vous ferai une réalisation avec ça sans problème. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air. Et si vous voulez découvrir d'autres box comme ça, planeur ou autre, n'hésitez pas encore une fois à me le dire aussi. La deuxième poche. Alors, du coup, je suppose que ça va être des petits die cuts ou des choses comme ça. Oh là là, c'est trop mignon. Oui, des petits die cuts là en forme de femme. Oh. Alors, elle m'a dit qu'elle payait une licence pour tout ce qui était marque comme ça. Donc, je pense que pour Chanel, elle doit payer la licence pour pouvoir utiliser les logos Chanel. Ils sont trop, trop jolis. Ils sont trop magnifiques. Ah là là, classe la fille. Regardez-moi ça pour les beauty addicts. Voilà, c'est obligé quoi. Oh, trop beau. Le sac, la Chanel, la petite chaussure. Très sympa. C'est classe en même temps dans le thème toujours. Et dans le deuxième pochon, on découvre des petites découpes comme ça. Trop mignon. Oh, c'est top. Avec du gold foil. C'est super joli. C'est moins dans le thème léopard, mais du coup, c'est sympa. Ça change un petit peu. Et c'est super sympa. Ça peut s'utiliser aussi dans toutes les créations. C'est trop, trop mignon. Regardez, il y a du gold. Oui, je suis une fan de gold. Hein. La petite clé... Le cœur, les flèches. Oula, il y a une flèche qui est partie du coup. C'est sauvé. Des fleurs. Là, il y a un peu de tout. C'est super joli. Et ensuite, des petites cartes un peu de Project Life. Oh là là, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ça, c'est top. C'est vraiment des choses en plus que j'ai jamais vues ailleurs. Donc, c'est vraiment top. Et pour finir, des feuilles, comme dans tout planner box, il y a des feuilles du coup pour des réalisations. Déjà, j'adore celle-ci, elle est trop belle. C'est pas du gold foil, mais c'est des ananas jaunes sur un fond bleu. Elle est superbe. Et les feuilles sont vraiment de très très jolie qualité. Et derrière, oh là 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 là, mais il faut trop que je vous réalise quelque chose avec ça. Elles sont trop belles les feuilles. Donc il y en a deux, mais il y en a deux de chaque, on dirait. Oh là là, la poche de jean. Ah, c'est sympa cet effet un peu de jean.
Et de l'autre côté, superbe, superbe. J'adore. Et la dernière, du coup, effet léopard bleu. Et de l'autre côté, effet léopard basique. Super, mais c'est super. Du coup, en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 produits avec plusieurs parfois. Il y a 6 papiers par exemple, 4 planches de stickers, un trombone, etc. Honnêtement, je trouve pour 10 produits avec des choses que j'ai pas l'habitude du tout de voir dans d'autres boutiques Etsy ou sur les réseaux sociaux assez basiques ou même sur la formule créative, etc. Les stickers et les die cuts, c'est vraiment des choses que j'ai pas, vu ailleurs. Du coup, je suis hyper ravie, sachant qu'il y a des petites créations un peu fait main comme ça, super originales. Je suis moins fan du washi tape, mais voilà, ça pourra me servir pour une création sur ce thème-là. En tout cas, moi, je suis plutôt conquise. N'hésitez pas à me dire votre avis, vous aussi, en commentaire, si ça vous plaît ou pas, ce genre de vidéo box unboxing. Je réaliserai sûrement une vidéo planner où je vais utiliser toutes ces petites choses-là sur le thème un peu chic, rentrée, léopard. Enfin, je vais voir ce que je vais faire comme création. Et je remercie encore Sabrina pour l'envoi de cette box. Voilà, je trouve ça juste génial. N'hésitez pas à aller la retrouver sur les réseaux sociaux. Allez voir ces futures box. Je pense que je vais me commander la prochaine. Faut que je regarde un petit peu le thème et tout, voir si ça m'intéresse et si je loupe pas le truc au début août. Mais je vais aller sûrement commander la prochaine. Donc comme je vous disais, c'est une 30aine d'euros la box sans les frais de port. Et moi, je l'ai reçue en à peine 2 jours, je pense, même pas. Donc c'est pour vous dire que c'est super rapide. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !